Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, avertissement, hein, euh, cette vidéo est uniquement un but pédagogique, en aucun cas ce ne sont des conseils et vous êtes responsable de vos propres investissements. Allez, on passe directement au CAC 40. Voilà qu'on a ici en données semaines. Eh bien, c'est toujours très difficile à maintenir cette ligne de tendance qu'on a là. On a beaucoup de mal à la passer. Donc, euh, bah du coup, pas grand-chose de nouveau. Hein. On est toujours sur ces mêmes niveaux au niveau du CAC. Donc, euh, pas grand-chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui On a eu, Alors, on a eu SMN, AS, ASM, pardon. Euh, qui a cassé encore ses plus hauts, on l'a ici. Euh, ASM, on avait une résistance dynamique qui était ici, voilà, qu'on a cassé, puis derrière, effectivement, c'est parti. Là, il y a eu du volume en plus aujourd'hui. Euh, MCFI, qu'on suit bah, déjà depuis un petit moment, qui a fait encore des nouveaux plus hauts. Euh, ce qui est intéressant à regarder sur MCFI, c'est qu'en semaine, on a cassé la résistance dynamique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Metabolic Explorer, on avait cette oblique baissière à casser. Ben, on a méché dessus, c'était un petit peu difficile, mais bon, malgré tout, euh, on a une belle bougie là. Donc à guetter les jours qui viennent, ça peut être intéressant. Euh, on a Métropole TV euh, qui euh, on va la mettre. Bon, alors en semaine, vous le voyez, on est en zone de force, il n'y a aucun problème. En journalier, on est là. Voilà, on avait une résistance dynamique ici qui a été cassée avec un petit peu de mal là, mais aujourd'hui, avec le gap qu'il y a eu, effectivement, c'est plutôt pas mal. Euh, CNP, pareil, elle fait toujours des nouveaux plus hauts. Hein. Vous savez, on la suit depuis un petit moment. Si on se met en semaine, voilà, on a cassé la résistance dynamique hein, cette semaine. Alors, ce serait bien de pouvoir. La maintenir, la conserver, c'est bien. Brunel, pareil, on a déjà parlé. Cassure de la résistance euh, de l'oblique qu'on avait là, plus la résistance dynamique en données semaines. Et puis, bah, on a des belles bougies là, hein. euh, là c'est plutôt pas mal. Virbac, on avait cette zone de compression là derrière, il y a eu des bougies impulsives et puis on continue bah, sur la lancée, hein, tout bêtement. Euh, Virbac comme beaucoup d'autres valeurs qu'on a vues et qu'on verra, est, en semaine elle est dans la zone de force sur l'indicateur extra trend. En données-mois elle est en pleine zone de force également, voire même bien au-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a TF1 aussi qui était pas mal, vous savez, il y a cette oblique baissière là qu'on guettait. Et bien ça y est. Là, pour l'instant, elle est cassée. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de la conserver. On avait et une résistance dynamique, et une oblique baissière là, et une oblique baissière là. En 3 jours, tout est cassé, c'est plié. Donc plutôt pas mal. Euh, on l'a vu en semaine TF1. Ce qui peut être intéressant, c'est toujours avec l'indicateur extra-train qu'on la regarde en mois. On est vraiment dans une zone de force. Ici, on avait une compression. Là, on est à deux doigts de de partir, ça peut être pas mal. Donc, euh, ceux qui ne sont pas encore dessus, ça peut être intéressant de guetter un point d'entrée. SFPI, bah, qui continue, hein, tranquillement. Pareil, zone de force, en semaine, en jour, on est dans cette zone de force également. On a cassé le, les 358 qu'il y avait ici. En donnez-moi, tranquille. C'est en pleine zone de force, après qu'il y a eu la cassure de cette résistance dynamique-là. Euh, EDF. Il devait faire du mal à passer. Par contre, on avait. Euh Alors là, on est en semaine, mais on va se mettre peut-être en mois. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. On a cette oblique baissière qui est là à casser, On a les derniers plus hauts, les 13, 36 à casser. On a cette oblique baissière qui était là, qu'on a déjà cassée. Euh, là, on se retrouve dans une situation où on est un petit peu à la croisée des chemins. Il faudrait que ça booste un petit peu pour qu'on puisse casser cette dernière, cette dernière résistance et qu'on puisse être un petit peu hein, tranquille. Dieterone, sans aucun souci, va toujours sur ses plus hauts. Hein. Euh, en semaine, on est largement en zone de force. En journalier, effectivement, on l'est aussi, depuis la cassure de la résistance dynamique ici et puis de l'oblique baissière qu'on a là. Et euh, en mois, on est vraiment pas mal, hein, Dieterone. Donc voilà. Euh, et puis, euh, bah Vinci, euh, qui pour l'instant n'a toujours pas cassé son oblique baissière. Hein, on la regarde depuis un moment, mais pour l'instant, euh, il ne s'est rien passé. Donc euh, bah on verra ce qui va se passer. Euh, voilà grosso modo pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Au revoir.